Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite analyse de ma dernière game en duel sacré ce coup-ci, donc avec ma team duel sacré, parce que malheureusement mes dieux ne sont pas les skills ne sont pas up, Hades n'est toujours pas RC, donc je ne les joue pas en duel galactique. Donc voilà, c'est ma dernière game de la journée qui a été très tendue. Allez, c'est parti. Donc là, Igel Majun. Donc j'étais un peu surpris parce que habituellement c'est plus mon Hades qui visait. Mais du coup, sa technique est très intéressante. Donc là, je garde mes énergies, hein, bien sûr, pour pouvoir. Lancer tous mes spells. Donc, chose intéressante, c'est que du coup. Tout comme moi qui suis silence, on n'a pas pu lancer nos Ulysse. Ça va faire un mal pour moi parce que T1, je n'ai plus de thunes. Donc du coup, il me harasse mon Ulysse. Moi, je fais pareil. Hein. Je fais exactement pareil, sauf que du coup, je protège mon Hades. Hein. Donc là, rebelote, il me gèle mon canon, il me silence mon Thanatos. Donc là, je crois qu'il active le spell de la régène, il me semble. La régène de PV, hein. Je crois. Voilà, c'est ça. Donc moi, par contre, j'ai été silence, donc je ne peux toujours rien faire. Donc j'avoue que c'était une game pas simple. Pas simple du tout. Donc là, je me suis débarrassé déjà du Shaka. Ensuite, bon, de toute façon, toujours le combat d'AOE. Alors là, par contre, il m'a gelé personne et j'ai pas saisi pourquoi. J'ai pas compris ça. Mais bon. Donc moi, du coup, je m'attaque pour proc donc la régène de son Gemini, sachant qu'il ne peut plus, rien faire non plus avec l'Ophicus. Hein. Voilà. Donc là, bon bah, mon Sion est passé en cachet. Hein. Du coup, là, il focus mon Thanatos qui va mourir. Hein, voilà. Heureusement, sa dernière Galaxian est partie sur mention. Du coup. Il me semble que là j'essaye de gratter des PV de son Ulysse, voilà. Donc là je fais proc la régène du Ulysse. Donc comme ça. Voilà,
mort une fois, donc après je sais que là avec l'auto-attaque il meurt. Là il me semble qu'il focus, voilà. Donc là il va rompre le lien parce que du coup sa Athéna est morte. Alors j'ai de la chance, pas de la chance. Disons qu'il est pas mort tout de suite vu que c'est sa Athéna qui va me le désintégrer. Voilà. Donc là l'avantage c'est qu'il était en auto-attaque. Donc j'ai pas pris trop dégâts. Donc derrière je décide de le tuer. Moi c'est pas grave, ma régène n'avait pas proc. Et sachant que son saga, son Gemini, sa régène avait proc. Voilà, le match est fini. Et du coup je suis passé immortel. Ça m'a fait récupérer ma dernière médaille pour le pavillon de trésor. Donc c'est mon objectif de cette saison. Donc je suis content avec des games très 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 durs. Et voilà, je posterai sûrement quelques défaites pour voir les erreurs, pour voir les teams aussi qui en fassent. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.